Il y a un an, j'ai fait un break professionnel. Je suis parti aux États-Unis. Au retour, je me suis trouvé devant une page blanche. Et en discutant avec des amis, ils m'ont conseillé de regarder un peu ce que je pourrais faire comme travail sur moi pour m'orienter. J'avais plein d'idées, mais pas d'orientation. Et voilà, ce qui m'a donné envie de venir à la PNL, c'est de me connaître mieux. Bon, j'en avais un petit peu entendu parler, j'avais lu quelques bouquins. Et il me semblait que là, derrière cet outil, cette technique, cette façon d'être au monde, il y avait un puissant outil de changement. Avoir fait cette formation coaching m'a apporté des outils pour pouvoir me permettre d'accompagner efficacement des personnes. Et aujourd'hui, donc, ça me permet de développer ma propre activité de coach. Bah, professionnellement, j'espère m'améliorer en ma qualité de manager. Parce que j'ai un petit peu appris sur le terrain. J'ai fait que des formations de perfectionnement, mais pas de formation longue durée. Et le métier de manager, pour pouvoir progresser, je pense qu'il faut savoir se remettre en question et ne pas hésiter à acquérir de nouvelles techniques. D'un point de vue personnel et professionnel, le faire cette formation va m'apporter des outils, des savoir-faire, des savoir-être, de la théorie et de la pratique. C'est pour ça que j'ai choisi cette école. La PNL a changé beaucoup de choses, à savoir, elle a modifié ma carte du monde. Elle a apporté un regard plus tolérant, plus ouvert, rempli de compréhension. J'ai appris à rechercher l'intention positive des comportements, à comprendre les autres et leur mode de fonctionnement, sans jugement, sans a priori. Ce à quoi ça répond, c'est qui je suis, qu'est-ce que je fais là, et d'où je viens, et quel que soit l'endroit d'où je vienne, maintenant je sais où je vais.